Salut à tous les mecs, c'est Ben, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16, enfin pas encore sur FIFA 16 les mecs, je sais, on est super pressé d'avoir ce FIFA 16, on est encore sur FIFA 15. D'ailleurs je vous ai pas fait de vidéo, enfin vous avez pas dû vous en rendre compte parce que j'avais programmé des vidéos, mais la dernière vidéo que j'ai faite c'était en juillet, voilà. Donc ça fait assez longtemps, ça fait plaisir d'en faire une vidéo. Mais donc voilà, vous avez dû voir ces dernières semaines que c'était un peu ralenti, vous inquiétez pas. Sur FIFA 16, les mecs, ça va repartir de l'achat-revente. Je vais vous montrer, je vais trouver quelques techniques, je vais essayer. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo dans pas longtemps pour essayer de vous demander des petites idées de séries, des petits trucs qu'on pourrait faire sur la chaîne qui pourraient être sympas. Là, la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux nouveaux joueurs 5 étoiles de gestes techniques sur le prochain FUT 16. Il y a des joueurs qui vont être intéressants, il y en a d'autres un peu moins. Voilà, là, vous voyez tous les joueurs 5 étoiles de gestes techniques qu'on pourra retrouver dans FIFA 16. Je crois qu'ils sont tous été mis, hein. je suis pas totalement sûr. Et dites-moi dans les commentaires si je fais des erreurs vraiment. Et n'hésitez pas à lâcher un like si ça vous plaît. Donc le premier joueur c'est Cario, 80 de général, 81 de vitesse. Voilà, il va avoir une assez bonne carte, 70 de physique, 77 de tir. Et il aura bien sûr les 5 étoiles de gestes techniques. Donc ça sera un premier joueur à surveiller. Il sera notamment, je pense, assez utilisé et assez cheaté. Donc voilà, essayez de vous souvenir de ce joueur et vous pourrez, je pense, le caler facilement dans des équipes. Ensuite on a Sofiane Boufal, le seul joueur, non il y aura Tem Ben Arfa, le deuxième joueur qui aura 5 étoiles de gestes techniques en Ligue 1, ça fait plaisir, il joue à Lille au LOSC et voilà, il a une assez bonne carte hein, malgré sa note de physique qui est vraiment très très mauvaise, 49, il a un 86 de vitesse, 70 de tir, 85 de dribble avec bien sûr les 5 étoiles, donc il faudra surveiller Sofiane Boufal sur le prochain FIFA 16, voilà, ça va être assez intéressant. Ensuite, on a le joueur dont je vous parlais, qui va sûrement pas être intéressant, très peu utilisé, à moins de le caler dans une équipe algérienne, ce qui m'étonnerait, voilà. Il a quand même un 90 de vitesse, un 72 de tir, et un 76 de dribble avec les 5 étoiles de gestes techniques, mais voilà, je pense qu'il sera peu utilisé. Il joue dans un club qui est très peu utilisé dans les équipes, et dans, voilà, il joue pour l'Algérie, donc c'est peu utilisé aussi sur FUT. Mais c'est quand même un nouveau joueur, 5 étoiles de gestes techniques, il me semble. Ensuite, on a Geoffrey Guérone, je ne sais pas s'il le prononce très bien. Il joue dans le club de Antoine Pierre Gignac et il aura également les 5 étoiles de gestes techniques. 90 de vitesse, excusez-moi, 67 de tir, 76 de dribble. Le joueur précédent. Mais voilà, après, il va être assez dur à caler également. Pourquoi pas une équipe colombienne, mais voilà, c'est vrai qu'en buteur on a pas mal de joueurs, on a Ravi Martinez, on a Pabon, on peut mettre aussi Rames en buteur, donc je pense qu'il sera peu utilisé également. Et enfin le dernier joueur les mecs, c'est Hakim Mastour. Je sais pas s'il était dans FUT l'année dernière, j'ai pas vraiment fait attention, mais là il va être dans ce FUT 16 et il aura les 5 étoiles de gestes techniques. Bon, il a pas encore une énorme carte, voilà, 67 de général, mais il joue à l'AC Milan sur sa carte, donc ça peut être intéressant à placer en MOC, et voilà, 72 de vitesse, 76 de dribble, un 61 de tir et un 38 de physique. Ça va être très très dur à, voilà, à manier, à utiliser dans FUT. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu, à commenter, et ne vous inquiétez pas les mecs, je vais revenir présent sur ce FIFA 16. J'ai juste fait une petite pause, voilà, comme tout le monde ces dernières semaines. Mais vous inquiétez pas, FUT 16, ça arrive très très bientôt, je vous ferai notamment une vidéo sur la démo. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Ben. Ciao les gars.